Et voilà, bonjour à tous, c'était Butterfly, l'opening, le tout premier opening de Digimon, de l'anime Digimon, opening original bien sûr, hein, nous ne parlons pas du générique français que nous avions eu ici à l'époque. Et ici, chanté par Tsukoji, qui est surtout, enfin, qui nous a surtout habitués à faire des reprises au cas où. Mais voilà, de temps en temps il chante aussi et ça donne vachement bien. Voilà, j'avais envie d'un truc un petit peu péchu pour commencer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, justement, jeudi, jour du renard. Alors pourquoi jour du renard? Parce que je l'ai décidé, parce que je le dis, c'est tout, c'est comme ça. Et parce que voilà, parce qu'aujourd'hui nous allons faire du Seasons After Fall. Je tousse encore un petit peu, ça va pas forcément bien. Mais on s'en fout, on stream, on est là. J'attends de voir que tout se passe bien au niveau du stream, au niveau des stats, tout va bien. Je n'ai pas d'image perdue, le son est bon. Un petit peu bas peut-être encore, mais ça on verra parce que c'est encore que le truc d'intro. Nous avions fait précédemment, même si c'était précédemment il y a longtemps, déjà une assez grosse partie, apparemment 34% du jeu, un bon tiers. Enfin, un tiers tout court. Je pensais qu'on était à la moitié, mais apparemment non, on n'y est pas encore, donc peut-être d'autres rebondissements encore. Continuer. Alors, étant donné que ça fait un bon mois aussi que je n'ai plus joué, je ne sais plus comment ça se joue. On va donc prendre quelques minutes pour voir un petit peu comment se passent les choses. Pour l'histoire des Seasons After Fall, pour ce que je m'en souviens en tout cas, nous sommes une petite graine qui a été tirée des tréfonds du sol de la forêt. Et un esprit nous parle en nous indiquant que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas et il a besoin de notre aide. Dans le même temps, un renard s'approchait justement de la forêt parce qu'il constatait que quelque chose n'allait pas et qu'il sentait qu'il devait être présent. Du coup, comme nous ne sommes qu'une petite graine, et bien nous avons été foutus dans le renard pour que nous puissions le contrôler, pour que nous puissions nous déplacer. Notre mission a été d'aller voir les quatre esprits de la forêt, représentant chacun une saison, récupérer un objet et les ramener à la graine, à la graine, à l'esprit principal. Chacun de ces objets, chacun de ces pouvoirs, nous donnait la possibilité de switcher de saison, ce qui fait qu'une fois les quatre saisons obtenues, ce qui est le cas, bah nous pouvons switcher à volonté de l'été au printemps, à l'automne, à l'hiver, comme on veut. Ceci dit, la fusion de tous les éléments avec la graine que nous sommes s'est un petit peu mal passée, dans le sens où le renard ne voulait pas nous laisser partir. Nous avions fusionné pour de bon. Du coup, le renard a fusionné également avec les fragments de saison et malheureusement on est mort. Ceci dit, nous en tant que graines, je ne sais quoi, graines spirituelles probablement, bah nous sommes éternels et du coup nous avons gardé cette forme de renard et je présume que l'âme du renard nous suit ainsi. Il se trouve que l'esprit principal n'était pas forcément content parce que quelque chose n'allait pas, quelque chose ne convenait pas dans ce que nous avions fait. Et effectivement, cet esprit était un esprit manipulateur. Il cherchait à obtenir le pouvoir des quatre saisons pour être probablement libéré. Mais quel est cet esprit? Quel est son but? Tout ça est encore une énorme question, une grande inconnue. Et là, actuellement, on va déjà essayer de réparer nos bêtises en retournant voir un petit peu enfin, un petit peu les quatre esprits de la forêt. Ceci dit, un mal s'abat également sur la forêt et il ne sera pas chose facile pour nous que de pouvoir accéder, enfin réaccéder en tout cas à tous ces esprits. Alors. Ouais, donc voilà, je pourrais changer de saison comme ça. Là, c'est l'hiver, là, c'est l'automne. Là, ainsi c'est le printemps et là c'est l'été. Parfait. Donc ici, oui, nous avons des champignons. Les champignons, bah, ça ne s'ouvre qu'au printemps. Et du coup, qu'au printemps, qu'en automne, pardon. Et du coup, bah, nous devons passer en automne pour que cela puisse fonctionner. Voilà.
Enfin, nous avions arrêté en plein milieu de l'énigme parce que j'avais dû arrêter simplement, il était tard et je n'avais plus la possibilité de continuer. Et nous étions sur cette énigme qui permet de libérer cette stèle. Nous y voilà enfin, mais je ne sais plus du tout à quoi elle sert. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose ou non. Me déplacer ne change rien. Sauter ne change rien. Changer de saison n'est pas possible. D'accord. Le vent peut à nouveau souffler. Il va te guider jusqu'à la graine. Laisse-toi porter, Goupil. Et du coup, nous avons libérer un élément. Je n'avais pas souvenir que nous devions libérer des éléments particulièrement. Et voilà qui est fait. Au niveau de la musique, ça semble aller. Enfin, au niveau de gestion son. Et là, je suis mort parce que je n'ai pas sauté au bon moment. Qu'allons-nous devoir faire? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est là? Ah, ça c'est la voix de la graine qui nous avait... Comment t'es entré ici? Engagé, oh, je veux dire. Mon trésor! Regarde ce que t'as fait! T'as cassé un de mes trésors! T'as rien à faire ici! Va-t'en! D'accord, je présume qu'en retrouvant les quatre esprits pour libérer les quatre éléments, nous casserons ces quatre trésors, ce qui la libérera probablement, puisque... Enfin, la libérera de... Que s'est-il Je ne passé, sais pas. Goupil? As-tu retrouvé la graine? Je ne la vois nulle part, mais je commence à sentir sa présence. Il me semble même avoir entendu sa voix. Elle doit être cachée là. Au cœur même du sanctuaire. Trois autres pierres des vents sont scellées. J'ai absolument besoin de ton aide, Goupil. Pendant que tu libères les pierres, je vais me concentrer et tenter de localiser la graine. J'ai pas à dire, je trouve ce jeu vraiment magnifique d'un point de vue visuel. Et les musiques, c'est la même chose. Je les adore. Alors, il me semble que là-haut, c'était justement pour aller vers le premier des quatre esprits, qui était l'ours, gardien de l'hiver, et que c'était là-bas que nous avons pu libérer la première pierre des vents. J'en ai bien l'impression. Donc nous allons plutôt passer par le chemin en dessous, qui devrait nous mener à je ne sais plus quel esprit. En espérant que le chemin ne soit pas bloqué. Parfait. Texture, map failed. Your video card or driver frozen was reset. Please check for possible hardware driver issues. Ouais, ok. Si tu veux.